l'ouverture de Terre des Ruines, pour moi, une rencontre inoubliable ici, au Prince des Galles, un grand hôtel ici à l'avenue Georges V, pendant l'exposition Georges V Monumental. Et cette sculpture, c'est toute une séquence à l'hommage des grands talents des gens de Guadeloupe, où j'ai eu le privilège aussi de faire la sculpture de Maryse Condé l'année dernière, et sous la commande de Christelaine Hart, qui a suggéré de faire ces grands talents de judo mondial, 10 fois champion mondial. C'est une sculpture qui le représente en torse nu, c'est un peu inhabituel pour lui, mais c'est très artistique, donc c'est ma volonté de donner cette puissance au personnage, que c'est un grand homme. Et avec beaucoup de plaisir qu'on a cette opportunité magnifique d'or même, de rencontrer aussi tant de gens de Guadeloupe qui sont venus visiter et voir la sculpture de Terre des Ruines.